Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Alors le dernier épisode que j'avais réalisé il y a environ une semaine, on avait tout simplement joué le survivant sur ce jeu incroyable. Maintenant dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va jouer le tueur, on va essayer de traquer nos victimes, essayer de les choper, les accrocher sur un crochet et de les voir souffrir, parce que c'est ça qu'on veut finalement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais rapidement vous expliquer les règles. Nous avons 4 survivants, un tueur. Les survivants doivent allumer en fait des moteurs afin de pouvoir s'enfuir, et le tueur doit essayer d'empêcher que les survivants s'enfuient en les tuant. C'est une des seules solutions, je crois bien. Regardez, on a la hachette sur le menu qui est prêt. On va être là pour découper des gens. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Nous sommes avec notre ami le tueur, donc c'est carrément nous. Et nous avons une machette. C'est parti les amis, allons chasser de l'humain. On installe un petit piège tranquillement. Alors on peut installer qu'un piège, j'ai l'impression. Ouais, j'ai posé un piège et je peux pas en poser plus. Donc on va essayer bien entendu de rester à côté des moteurs. Et on va essayer de trouver nos victimes. Venez mes amis, venez voir Papa Kira, il est là pour vous réconforter. Il ne va pas vous faire de mal, voyons. Il est juste là pour vous endormir à tout jamais. Donc il faut savoir que quand ils allument les moteurs, logiquement, ça doit faire du bruit et on peut repérer facilement nos victimes. Alors en tant que tueur, bien entendu, je suppose qu'on est un peu plus lent que les survivants. Sauf si on les touche, logiquement, ils vont ralentir un peu. Donc on va essayer de se balader là sur tous les moteurs. Pour l'instant, on n'a toujours pas croisé un survivant. Là-bas. Ok, on a une indication, ça veut dire qu'ils sont en train d'allumer un moteur. Donc là, ici, de ce côté-là, il doit y avoir quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Personne. Venez, mes petits. N'ayez pas peur. Alors, putain, je pensais qu'ils étaient dans le coin. Ils sont cachés où? Bon, ici, il y a toujours mon piège qui est là. Ah, putain, ce moteur-là, il est allumé. Je vais aller là-bas, les amis. Ah, ils ont déjà allumé deux moteurs? Sérieusement? Là, il y a quelqu'un. Meurs! Non, je l'ai raté. Je vais la choper. Viens là. Viens voir Papa Kira. Il est là pour t'aider. Non, je l'ai raté, putain. Encore une fois, faut que je sois beaucoup plus près. Je vais t'avoir. C'est bon, là, je t'ai. Oui, c'est bon, je t'ai touché une fois. Tu ne partiras pas comme ça, moi, je te le dis. Je l'ai perdu. Allez là. Elle a une trousse de soins. Non, elle a une trousse de soins. Je vais l'avoir. Il n'y a pas de soucis, les amis. Je vais l'avoir. Oui, c'est bon. Je l'ai attrapé. Non, alors là, je te dis que tu vas pas te sauver comme ça. Allez, viens, voilà, t'es sur mes épaules. Donc maintenant qu'on a récupéré quelqu'un, les amis, on va devoir donc l'accrocher, bien entendu, à un petit crochet. Donc là-bas, il y en a un. Et voilà, t'es accroché, Mathiote. Et je peux te dire que tu ne sortiras pas d'ici. Bon, maintenant, il faut faire attention parce que les survivants peuvent l'aider. Donc on va rester dans le coin. Non, ils vont pas venir. Moi, je dis, ils vont pas venir, ils vont la laisser mourir. On va se diriger vers les autres moteurs, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Venez, Mathiote. Oh, c'est pas vrai. Là-bas. Ou là-bas. On y va. C'est parti. Go. Putain, il a réussi à l'allumer, sérieusement. Ah, mais ça veut dire en fait qu'il réussit à l'allumer quand on a une alerte. Si je me trompe pas, hein, parce que je peux me tromper, les amis. On a réussi à tuer une personne, que vous pouvez le voir, regardez. Oh, elle vient de mourir. Bon, par contre, il reste. Oh, alors toi, mon gars. Alors toi, viens là. Go, je vais l'avoir. Oh, oui. C'est bon, je l'ai touché. On continue. Bon, il est blessé là, il va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis, il va pas s'en sortir. Non! On va passer par la gauche. On va essayer de le brain. Allez, on va essayer de le brain. Voilà, il est là. On prend un raccourci. C'est bon. Il va. Il est foutu. Oh, oh mon dieu. Oh putain. Trouver la sortie. Non. Ça veut dire qu'ils ont réussi ça. Oh putain. Attendez. Faut que je fasse vite. Lui, je vais l'accrocher là. Oh, merde. Ok, lui, il va mourir. Y a pas de souci. Oh toi. Non. Va pas vers la sortie. Reste là, mon gars. Reste là. Je vais l'avoir, y'a pas de soucis, je vais l'avoir. Oui. Non. Est-ce qu'il aura le temps d'aider son pote? On va faire le tour, il va passer par là. Non. Oh merde, y'en a un qui est en train de s'échapper. Merde. L'autre est toujours sur le crochet, les amis. Donc ça veut dire qu'il est en train de souffrir. Y en a un qui est blessé, mais l'autre ça veut dire qu'il s'est. Ah, ça veut dire qu'il a réussi à s'enfuir. Ok, donc on en a un qui vient de mourir sur le crochet là. Ah, oh, y'a deux sorties. Oh non, il est en train de s'enfuir. J'ai quand même gagné du coup. Victoire brutale, du coup j'ai gagné. Bah comment ça se fait? Donc en fait t'as deux personnes qui ont réussi à s'en sortir. Ok, très bien. Donc j'ai quand même gagné parce que j'ai quand même tué deux personnes, je pense. Réussi à tuer deux personnes, j'ai réussi à les foutre sur le crochet. En tout cas très sympa d'être le tueur, je trouve ça vraiment cool. Allons tuer des gens, let's go. On a donc réussi à gagner entre parenthèses à la dernière partie. On a tué deux personnes donc c'était pas mal. Maintenant on va essayer de tuer trois personnes si possible. Alors ce que je vous propose c'est de rajouter directement un piège. Quoique le piège peut peut-être le garder. Non, le piège on va le garder pour l'instant, on va pas le poser. On va le garder si on capture quelqu'un et qu'on réussit à le mettre sur un crochet. On mettra le piège à côté, comme ça on pourra choper peut-être deux personnes, hein. Que sais-je. Pourquoi il y a déjà un piège ici?
Il y a déjà des pièges de poser de base. On va faire tous les moteurs et on verra bien. On va bien trouver. Ah là-bas, nice. Il y a quelqu'un là-bas, putain, il est pas mal. Ouais, il est assez loin quand même, non? Ok, go. On court un peu plus vite quand on repère un bruit, j'ai l'impression. Bon, là, on va le choper, là, il y a pas de souci, regardez. Non? Putain, il s'est barré. Ah, forcément qu'il se barre, il rate son action, il se casse. Il se casse, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'il est pas loin du coup. Oh là 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 là! Oui! Ça c'est bon, reviens là! Reviens là, Mathiot! Je vais te choper, y a pas de souci. Ok, qu'est-ce que tu fais? Non! Vite, faut faire le tour. Elle va passer par où? Elle est là. Elle est en train de se soigner! Non! Putain, elle a réussi à ma. Arrête de jouer avec moi. Bon, alors là. Alors, il y en a marre, je pète tout. Elle se fout de ma gueule ou quoi? Elle se fout de ma gueule. Je vais pas réussir à la voir! Elle est sérieuse! Putain, mais. Non! Mais sérieusement? Alors là, par contre! Bon, elle va me saouler. Mais viens là! Non! Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Hein. Mais comment ça se fait? Mais c'est une bonne technique, n'empêche. Là, je vais la voir. Là, c'est bon. Ça va le faire. C'est bon, cette fois-ci. Non! Ah, t'aurais dû jamais faire ça. Oh, t'aurais pas dû faire ça, Mathiot. Oh non, elle était plus blessée. C'est pas vrai. Je vais surtout pas la lâcher. Non, je vais pas te lâcher. Je sais plus où elle est. Je l'ai perdu de vue. Franchement, c'est super ridicule ce qui vient de se passer là actuellement. J'ai même envie de pleurer. Oula, toi, je t'ai vu là. Toi, tu te barres là-bas. Attendez, on va essayer de le coincer. Je vais passer par la gauche. Il va passer par là. Il est là, il est dans le coin, c'est formidable, non? C'est formidable, il est là, non? Non? Oh! What? What the fuck? Pourquoi il a fait ça? Alors là, les amis, j'ai pas compris ce qu'il a fait, hein. Là, ils se foutent de ma gueule. Oh, mais c'est pas vrai, ils sont tous ensemble ou quoi? Ils sont en train de se foutre complètement de ma gueule, là. J'en ai marre, je vais péter un plomb. Je suis tombé sur une team. Oh non, mais s'il vous plaît, laissez-moi gagner. Attendez. Oh, oui. Ils font exprès ou quoi? Attendez, les amis, je suis en train de rêver ou ils font exprès? Mais non, mais putain! Mais sérieusement! J'en peux plus de vous. Je vais poser un piège là. Rien à foutre, je vais poser un piège là. On va espérer qu'il y en a un qui se le prenne. J'en peux plus! Mais ils jouent avec mon corps! Ils jouent clairement avec mon corps là actuellement. Il y en a un qui est monté. Il y en a un à l'étage. Il est là. La personne est redescendue, sérieusement? Oh, toi cette fois-ci! Toi, tu vas pas t'en sortir. Moi, je te le dis cette fois-ci. Meurs! Et bah, enfin! Bah alors? On fait moins la maligne? On a plus ses petits amis? Le petit bonhomme en mousse va finir sur le crochet. Il y a quelqu'un qui est très proche là. A votre avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir l'aider? Oula. Oula, là-haut. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est allumé, donc il va descendre par là. Oh oui. Oh oui, ça c'est bon ça. Non! Par ici? Putain, maintenant c'est là-bas. Oh, toi je vais te choper. À droite, à droite, go. Je vais la voir. J'espère que l'autre. Oh putain, j'espère que l'autre dans le crochet va pas être sauvé. Je vais la voir. Oh non! Comment j'ai pu rater ça? Oh non, il y a l'autre qui est en train de se faire sauver. C'est pas grave, on va choper celle-là. Moi je dis qu'elle va sauter par ici. Oh, même pas. Tiens! Mais non, mais revenez! revenez! Hop, toi c'est fait. Voilà, je vais te reprendre. Donc elle était encore blessée, c'est tout à fait normal parce qu'elle était sur le crochet. Hein, faut pas non plus exagérer, elle va pas revenir full vie. Je peux pas passer par là, on va devoir faire le tour. Arrête de titiller, reste tranquille. Calme-toi. Voilà, allez, hop, je te refous sur le crochet. Voilà, de la souffrance. Il y a des gens très proches. Là, il y a quelqu'un. Oh, viens là, toi. Oh, ils sont tous là. Bah alors, on a essayé de sauver son ami. Allez, hop, maintenant, ça va être à ton tour. Ah, je peux pas utiliser le même crochet. D'accord, on va devoir trouver un autre crochet, y a pas de souci. On va aller sur le crochet le plus proche, hein. On va aller sur celui-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, meuf? Mais elle est sérieuse, elle reste à côté de moi? Elle est là. Qu'est-ce que tu fais, meuf? reviens là. Oh ouais. Obligé, elle va passer par là. Même pas. Elle va descendre par là.
C'est obligé. Allez, elle va descendre, elle va descendre. Je fais genre je l'ai pas vu. Attendez, je fais genre je l'ai pas vu. Bah alors, on descend pas? On descend pas, Mathiote? Bah tant pis, hein. Bon, ta pote va mourir, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Moi j'attends, y'a pas de soucis, hein. Je vais être patient, hein. Cette personne qui va certainement mourir dans pas longtemps. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ah bah toi, du coup, je vais te rechoper. Allez, hop! Ça c'est fait. Ok, bah viens de mourir. Très bien. Voilà, c'est parfait. Allez, maintenant, essayez de la sauver pour voir. On verra bien ce qui se passe. Ok, donc il nous reste deux personnes, les amis. Il y en a une qui vient de décéder. Donc on va essayer de trouver encore deux personnes. Pour l'instant on est plutôt bien, il y a peut-être moyen de tuer les quatre. Ah, ok, ok, ok. Alors toi, oh toi, ah bah toi, toi on va se faire plaisir. Non, oh putain je pensais que je l'avais touché. Là on va passer sur le côté, on va pas se faire avoir. Go, 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 go. C'est parti, c'est parti. Il faut pas le suivre directement parce que généralement on va quand même passer au-dessus. Ah, on met plus de temps forcément, hein. Oh non, oh putain il avait eu du mal. Oh, je suis déçu. Alors là, il y a quelqu'un qui peut malheureusement s'en sortir. Oh putain, ils vont peut-être réussir à s'en sortir. Oh non, il va encore avoir deux personnes qui vont réussir à s'en sortir. Oh putain. Oh, on peut se prendre son piège. Oh merde. Oh merde, quel con. Bon, ça va, j'ai pas mal, hein. Je suis un peu, je suis plutôt solide. Bon, il y en a un qui a réussi à trouver la sortie. Malheureusement, allez, faut qu'on essaie de... Là-bas, non? Oh, j'ai cru. Faut qu'on essaie de trouver l'autre. Il peut sortir en fait par plusieurs passages. Ok. Du coup, on a fait encore deux victimes. C'était plutôt cool, en tout cas avec le tueur, ça change énormément. Et voilà les amis, donc on a testé le tueur sur Dead by Daylight. En tout cas, c'était plutôt cool. Moi, j'ai bien kiffé. Bah, ça fait du bien en fait de pouvoir tuer les gens. Voilà, ça détend, ça fait plaisir. Ça me permet de faire ressortir un peu mon côté psychopathe. Je trouve ça plutôt cool. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut et bien entendu à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de Dead by Daylight. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les amis, sur Dead by Daylight. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.